France, vous avez des élections à deux tours. Et le premier tour, il existe pour choisir. Et le second tour, pour éliminer. Et donc, l'important, c'est de pouvoir faire gagner la gauche. Et nous avons fait gagner la gauche maintenant. Et nous avons fait gagner la gauche également au régional. Lorsque, au premier tour, il y avait une liste menée par M. Le Breton, et qu'il y avait une liste menée par moi-même. Et au second tour, l'addition de la diversité des gauches fait que nous emportons la bataille parce que nous additionnons les différentes approches et différentes sensibilités. Et ça n'est pas dangereux, puisque comme vous pouvez le constater, là où il y a eu des candidats qui n'étaient pas soutenus au premier tour par les deux forces de gauche en présence, leur résultat est très bon. Il est même meilleur que la dernière fois. Donc il n'y a pas eu de danger. Réjouissons-nous que la gauche a différents visages, réjouissons-nous que la gauche additionne et porte une vague d'espérance comme nous venons de le fabriquer là pour cette élection et comme nous l'avions fabriqué pour les régionales et que nous l'avions fabriqué pour les sénatoriales où, je vous rappelle, nous avons sorti deux jeunes femmes sénatrices, alors à gauche, alors qu'il n'y en avait pas. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous allons continuer à faire, additionner les diversités à gauche pour faire cette belle dynamique qui fait la victoire de la gauche ensuite. Vous avez su faire l'union pour les élections avec des accords partiels, mais des accords quand même. Comment vous envisagez le travail avec le PLR du Gadvélo pendant les deux années qui vont venir? Est-ce qu'on doit attendre la prochaine union pour les prochaines élections ou est-ce que vous allez réussir à travailler tout au long de ces deux années avant la présidentielle? Nous, vous savez, on a déjà sollicité plusieurs fois des rencontres. Nous, ce qu'on aime, c'est se mettre autour de la table pour pouvoir en respect des diversités d'expression, respect de ce que nous sommes dans nos intégrités de partis et nationaux et locaux, pouvoir dire ce que nous pensons et voir nos points de vue et être respectés dans cette expression-là et après additionner. Donc, nous avons toujours demandé de se voir, on a écrit même, on a fait des courriers pour pouvoir discuter, échanger. Voilà, nous avions également à la veille de cette élection législative, nous nous sommes rendus également à une réunion que nous avons sollicitée. Donc tout est ouvert, tout est possible, nous sommes dans une démarche de dialogue et de construction de la dynamique.